Bonsoir à tous. Merci, cher Bernard-Henri, de m'avoir convié à vous dire quelques mots. C'est bien volontiers que je suis parmi vous en vous remerciant, en félicitant tous les intervenants autour de la mobilisation pour le 7 mai prochain. Je vais vous parler de ce qui me mobilise le plus, parce que je crois qu'au-delà du vote pour faire barrage, il faut aussi un vote pour. Un vote pour Emmanuel Macron. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que le combat climatique est vraiment le défi de ce siècle. Et en tant que présidente de la COP21, que ministre de l'Environnement, de l'Énergie, de la Mer, chargée des négociations climatiques, je puis vous dire, c'est passé un peu inaperçu, que les seules politiques qui ont voté contre l'accord de Paris, qui ont voté contre la loi de ratification de l'accord de Paris sur le climat, c'est le Front National. Et je pense que si le Front National a voté contre l'accord de Paris sur le climat, c'est parce qu'il sait que cet accord de Paris apporte des solutions. Et en particulier que la lutte contre le réchauffement climatique apporte des solutions contre les migrations de la misère. Et donc il y a deux dangers dans l'extrême droite et dans le Front National. C'est le premier, c'est que la France perde ce formidable leadership sur le combat climatique que nous avons acquis par notre travail, par notre diplomatie climatique et par notre exemplarité sur la transition énergétique. Nous avons acquis ce leadership et nous l'avons gardé ensuite, puisque la France, par son action, a obtenu une ratification de l'accord de Paris en 9 mois. Il faut savoir que les précédents accords climatiques ont mis 6 ou 7 ans pour être ratifiés. Donc à la fois une accélération, et ça n'est pas un hasard si aujourd'hui, dans les jours qui viennent, d'ailleurs, le président des États-Unis d'Amérique, Trump, va nous dire ce qu'il va faire de cet accord de Paris. Et heureusement que nous l'avons fait ratifier. Parce que si aujourd'hui l'accord de Paris n'était pas entré en application, c'est-à-dire si moins de 55 pays représentant moins de 55% des émissions de gaz à effet de serre n'avaient pas ratifié l'accord de Paris, alors le retrait des États-Unis d'Amérique aurait entraîné la non-application définitive de l'accord de Paris sur le climat. Et cet accord de Paris, non seulement, donc, je le disais, la France assume ce leadership, et donc il y a un vrai danger à ce qu'on perde ce leadership, mais c'est surtout que l'accord de Paris est le plus formidable accord pour la paix et pour la sécurité dans le monde et pour la lutte contre la pauvreté, contre la misère. Et je voudrais l'illustrer de deux façons. La première, c'est que 70% des conflits à l'échelle de la planète, des guerres à l'échelle de la planète, ont pour origine une raison climatique. La désertification, la raréfaction d'accès à l'eau potable, la raréfaction d'accès aux ressources alimentaires qui entraînent la flambée des prix alimentaires et donc des déstructurations des pays et surtout des migrations massives de populations, notamment des migrations sud-sud dont on ne parle jamais, on parle beaucoup des migrations sud-nord parce qu'on est directement concerné, mais plus effroyables sont les migrations sud-sud, les migrations de la misère et en particulier la source du terrorisme, on le sait maintenant, se trouve dans les déstabilisations climatiques. Et en particulier, s'il ne fallait prendre qu'un seul exemple, et je vous renvoie peut-être au manifeste pour la justice climatique que je viens de publier, où je cite cet exemple du lac Tchad, où Boko Haram, l'installation de Boko Haram autour du lac Tchad est directement liée à la disparition du lac Tchad à cause du réchauffement climatique. Et d'autres exemples peuvent être pris de ce lien très direct. Et donc, dans ce combat contre le réchauffement climatique, il y a un combat pour la sécurité, il y a des solutions pour lutter contre la misère, il y a des solutions pour construire un monde de paix, de justice, d'égalité et d'accès de chacun aux biens fondamentaux de l'humanité, c'est-à-dire l'eau potable, l'alimentation saine, un toit, un accès à l'éducation, un accès à la culture, et que tout se tient sur ces sujets. Le deuxième exemple, c'est l'avenir du continent africain. Et là aussi, le Front National se nourrit des déstabilisations entre le Nord et le Sud. Le Front National se nourrit de ces migrations, de la misère que j'évoquais à l'instant. Et l'enjeu du combat climatique, c'est de permettre au continent africain enfin d'accéder au développement et au développement durable. C'est-à-dire de faire l'impasse sur l'utilisation des énergies fossiles pour accéder à la croissance,
mais d'aller tout de suite aux énergies propres pour accéder au développement et à l'accès, à l'utilisation, à la valorisation de ses propres ressources et surtout à l'accès à l'agriculture, à l'alimentation, à l'eau et au fait de pouvoir stopper la déforestation aussi dramatique. Et donc l'enjeu aujourd'hui, ce défi de civilisation, c'est de faire en sorte non seulement que nous arrivions à transférer les ressources financières qui permettent cette croissance verte, mais c'est aussi de transférer les technologies liées à l'accès aux énergies renouvelables, le photovoltaïque, l'hydroélectricité dans ces nouvelles générations, la géothermie, tous ces sujets sur lesquels nous avons construit puissamment ce qu'on appelle des coalitions de l'application de la COP 21, et en particulier cette grande coalition sur l'accès aux énergies renouvelables en Afrique, qui est présidée aujourd'hui par le président de Guinée, Alpha Condé, qui m'a demandé d'ailleurs d'être au conseil d'administration de cette coalition pour pouvoir justement garantir à la fois les transferts de technologies, le passage opérationnel aux différents chantiers de construction et surtout les solidarités financières entre l'Europe et l'Afrique. Donc, pour terminer, je dirais que ce combat, il est là. Je pense Emmanuel Macron portera ce combat. Le Front National, je le répète, est la seule force politique qui, non seulement au Parlement européen, mais au Parlement français, a voté contre le réchauffement climatique, contre l'accord de Paris sur le climat, parce qu'il sait que dans cet accord, il y a précisément des solutions aux problèmes sur lesquels il se nourrit quotidiennement. Pour terminer, je rappellerai cette phrase magnifique de Nelson Mandela qui disait « La planète contient bien assez pour satisfaire les besoins de tous, mais insuffisamment pour satisfaire la voracité de quelques-uns. » Et c'est précisément pour répondre à cette urgence climatique que nous devons voter le 7 mai. Emmanuel Macron, merci de votre attention.